Les fans de Meghan Markle sur Twitter ont juré de riposter contre l'intimidation qui l'ont comparée au traitement de la princesse Diana par le cabinet. Le tumulte a commencé après que le commentateur royal Omid Scobie a fait l'éloge du nouveau documentaire de HBO, The Princess, sur Twitter. Le film détaille la vie et la mort de la princesse Diana et l'attitude du public britannique envers la famille royale via des images d'actualité de l'époque. Cependant, beaucoup n'ont pas tardé à établir une comparaison entre feu la princesse de Galles et Meghan Markle. Le commentateur royal Omid Scobie, citant le documentaire, a déclaré « Lorsque vous mettez une personne moderne dans une ancienne institution, elle sera détruite. Mais une fois qu'une institution commence à détruire des gens, il est temps de reconnaître qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette institution et pas les gens qu'il détruit. As-tu déjà regardé La Princesse ? Les fans de Meghan se sont rendus sur les réseaux sociaux pour comparer le documentaire avec le départ des Sussex de la vie royale. Certains sont allés jusqu'à jurer de riposter contre The Firm en réponse au tweet de M. Scobie, une utilisatrice, Benedicta Weir, @Adzo72, a déclaré, Jai, regardez le film. Abusant de Meghan et Harry. Une institution honteuse, ridicule et sans but, l'écrivain de CNN, Lisa Respers France, a déclaré, sangloter en regardant la princesse. C'est triste de penser que les femmes qui osent aller à l'encontre de la tradition sont toujours vilipendées. Entendre la princesse Diana être décrite comme une menteuse manipulatrice qui aimait l'attention et voulait détruire la monarchie semble très familière, n'est-ce pas? D'autres ont ajouté qu'ils pouvaient comprendre pourquoi le prince Harry avait voulu quitter le pays, pour protéger Meghan, ont-ils affirmé. Un utilisateur de Twitter, fatigué de cette merde, @-nyc, a déclaré, en regardant The Princess sur HBO, je peux voir pourquoi Harry voulait protéger Meghan si férocement. Les paparazzi étaient voraces et elle n'a jamais connu un instant de paix. @italianb, a ajouté, je suis si heureuse que le prince Harry ait éloigné la princesse Meghan de tout cela. Je suis si heureuse qu'il soit en sécurité. Cependant, tout le monde ne voulait pas entendre M. Scobie sur la question, un utilisateur de Twitter Jean Taylor, @JeanTaylor00, a demandé pourquoi il avait écrit sur la famille royale s'il ne les aimait pas tant, tandis que CS09, @87CPS, a simplement dit, oh, c'est nalé. Un autre utilisateur de Twitter, Lorigi, @elj2, a ajouté que la princesse Diana devrait être laissée reposer en paix sans la sortie de nouveaux films et documentaires. Elle a déclaré, il est temps de la laisser reposer en paix et de laisser ses fils vivre leur vie sans le barrage constant de films et de documentaires, sur, leur mère. Assez déjà, le documentaire utilise des images des archives et des extraits d'actualité des années 1980 et 1990 pour suivre la vie de la princesse Diana. Cependant, le film n'utilise pas de commentateurs ou des historiens pour contextualiser les clips. Pour cette raison, les téléspectateurs peuvent regarder les bobines d'actualité telles qu'elles ont été présentées à l'époque. Le documentaire se concentre également sur la relation de feu la princesse de Galles avec les médias, ce que son fils, le prince Harry, a souligné à plusieurs reprises lorsqu'on lui a demandé pourquoi les Sussex voulaient quitter la vie royale. Lors de la célèbre interview explosive du couple avec Oprah Winfrey, le prince Harry a affirmé que l'histoire se répétait. Il a déclaré, ma plus grande préoccupation était que l'histoire se répète et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, très publiquement. Et ce que je voyais, c'était l'histoire se répéter.
mais plus, peut-être, ou certainement beaucoup plus dangereux parce que vous ajoutez alors la race. Et vous ajoutez des médias sociaux, donc quand je parle de l'histoire qui se répète, je parle de ma mère.